Règle numéro 1, l'humilité. L'humilité est indispensable pour ce que je m'apprête à vous enseigner. Vous voulez aussi que je vous fasse une foutue révérence? C'est ça qui vous excite? Fêter son arrivée par un séjour en quartier d'isolement, on a déjà connu plus glorieux. Règle numéro 2, vos mains. Cessez de les maltraiter, vous en aurez besoin. J'ai pas le droit de jouer parce que j'ai pas d'autres mains. Règle numéro 3, on s'attaque au concours. À 10 ans, j'en avais déjà ras le cul des concours internationaux. Je les gagnais tous. Voilà ce que mon cher père adoptif voulait faire de moi. Un Mozart en jupette. Vous n'êtes pas obligé d'aimer le génie. Tout ce que je vous demande, c'est qu'au jour et à l'heure de sa convocation, ma fille puisse poser ses mains sur le clavier du piano du Deutsche Oper. Vous devez vraiment avoir du temps à perdre pour courtiser un gardien de prison. Mais c'est grotesque. Comment voulez-vous que je lui enseigne le piano si elle est menottée? Sanction disciplinaire numéro 84 pour les assassins. Je suis désolé, j'obéis aux ordres. Dans quelques instants, elle va jouer. Ils tomberont sous le charme. Elle remportera ce premier tour haut la main. C'est après que cela se complique. Mon Dieu, il faut qu'on lui accorde quelques minutes, juste quelques minutes. 4 minutes.